Bon, alors, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter, parce que bon, tout le monde ne connaît pas forcément votre. Je vais vous demander de vous présenter, puis de présenter aussi un peu votre parcours. Je suis Laurent Well, comme c'est indiqué sur ces choses-là. Ça fait une dizaine d'années que j'écris des romans de science-fiction, des romans d'anticipation, des thrillers, des polars, des nouvelles, ce genre de choses. Et mon parcours, c'est j'ai commencé petit et je suis arrivé grand. Voilà, je suis né en Angleterre, ce qui n'a absolument aucune importance et tout le monde s'en fout. Voilà. Et puis j'ai vécu la majeure partie de ma vie et j'ai en France et j'ai commencé et j'ai décidé d'écrire en français. Et donc j'ai appris à parler le français pour ça. Parfois, si je fais des erreurs de conjugaison, vous me corrigerez, je vous en remercierai d'avance. Voilà. Comme on frime en deux mots en racontant des conneries quand même. Voilà, je suis autodidacte de l'écriture. Donc voilà, j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait les lettres modernes, j'ai pas fait tout ça. J'ai commencé par beaucoup, 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 beaucoup lire. C'est-à-dire, quand j'étais ado, environ un livre par jour, pendant un certain nombre d'années. Et puis après, j'ai commencé à travailler, donc là, c'est plus possible, carrément, quoi. Mais j'ai continué de lire un ou deux livres par semaine. Jusqu'au moment où j'ai lu un livre qui m'est tombé des mains et je me suis dit, putain, je peux faire mieux, quoi, c'est sûr. Donc j'ai commencé, et c'était faux, en fait, hein. Sur le premier livre, c'est totalement faux. Je l'ai relu des années plus tard, je l'ai proposé à personne, je l'ai relu des années plus tard, et il m'est aussi tombé des mains, en me disant, comment est-ce que c'est possible d'être aussi bête et aussi prétentieux? Donc ça prend des années, et puis à un moment donné, et ben, tiens, le truc arrive, et puis voilà. Donc en fait, si on ramenait, par exemple, pour venir au sujet du jour, hein, si on ramenait le coût au nombre d'années passées à écrire avant d'avoir un contrat et avant d'être publié, de toucher un petit peu d'argent sur le contrat et ensuite une fortune grâce à ça en droit d'auteur, bien sûr, on verrait que à la page, on ne gagne pas grand-chose. Camarade. Donc, alors tout aussi autodidacte, Patrick Héris, là ça fait plus de 30 ans que j'écris, des fois sous pseudonyme, puisque j'ai fait de la série, notamment chez Gérard Devilliers, ce que je ne renie pas du tout d'ailleurs. Aussi, j'ai jamais eu de vrai boulot, vu que tout ce que j'ai fait c'était toujours autour du livre ou du scénario. Comme ça ne nourrit pas son homme, je suis passé à la traduction. D'abord quand même plus ou moins alimentaire moins cher Watson, bien sûr. Et je me suis aperçu que c'était aussi jouer avec les mots et que j'aimais tout aussi dans ça pour qu'écrire. Donc, j'aime bien concilier les deux. Par la faute de mon petit camarade Christophe Thiel, je suis devenu éditeur un petit peu par hasard. Maintenant, il m'arrive des fois de diriger des collections quand je pense que ça ne va pas finir en sucette. Et voilà à peu près tout. Donc, la moitié des éditions Malpertuis, qui existent depuis environ 12 ans, donc font croire qu'on ne fait pas un trop trop mauvais travail. Sinon, voilà. Toujours en recherche de boulot, vu que pour un indépendant, 50% du travail, c'est chercher du travail. Du travail, quand tu dis du travail, c'est des contrats, Oui, voilà. majoritairement de traduction, il ne faut pas Voilà, parler, quoi. oui, c'est la traduction qui Oui, te fait vivre à la oui. régie. Voilà. Et finalement, Laurent, toi, c'est les cours qui te font vivre. C'est pas ta plume. Non, je donne des. Clairement non. Je donne des cours dans les entreprises, je donne des cours d'anglais. De français aussi, d'alphabétisation. Et je fais des interventions dans les. Comme hier, par exemple, à la prison de Riom, ou dans des lycées, ou dans des médiathèques, ce genre de choses, ou parfois pour des entreprises, des conférences. Donc, ça, ce sont des petits à côté qui sont liés à l'écriture, parce que si j'ai ça, c'est parce que j'ai écrit des bouquins. Mais sinon, je donne des cours qui représentent, on va dire, 80% de mes revenus, les cours en entreprise, en auto-entrepreneur et donc en indépendant. Parfois, avec un petit CDD, j'en sais la fête. On peut avoir de l'eau pour faire bouillir les pâtes. Trop bien. Voilà. Mais sinon, les bouquins, ça représente. Alors, il y a des années, une année, une fois, une année, une fois dans ma vie, j'ai gagné. Accrochez-vous. J'ai gagné 20 000 euros dans l'année avec mes bouquins. Et ça, j'ai posé la question à des copains, ça arrive pas souvent. Voilà. Mais tout ça parce que j'ai deux bouquins qui ont été rachetés par Folio Gallimard pour sortir en poche la même année.
Et donc ça a été fête du slip et tout le bazar. Voilà. Mais ça, c'est très rare. Après, bon, il y en a d'autres qui ont été rachetés par eux et par d'autres. Quand j'ai gagné, là maintenant, si je fais une moyenne depuis que j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire mon premier roman est sorti en 2006, j'en ai un par an globalement qui sort. Cette année, j'en ai pas parce que j'ai pas que ça à faire. J'en ai écrit deux pendant ce temps-là. Donc il y en a un qui sort en début d'année prochaine et un autre qui sort ultérieurement, je ne sais pas encore exactement quand. Mais donc si on fait une moyenne sur toutes ces années-là, entre ça, j'ai fait aussi quelques traductions, l'écriture de nouvelles, parfois rémunérées, des préfaces, parfois rémunérées, parfois non. Si j'arrive à gagner dans une année 5000 euros avec mon écriture en ayant écrit une dizaine de romans publiés tous, dont la majorité est repris en poche par des grandes ou moyennes maisons, j'arrive à peu près 5 000 euros par an. Il y a aussi un autre facteur qui compte dans la vie d'un artiste ou d'un auteur, c'est un peu la même chose d'ailleurs, c'est si vous vivez tout seul, si vous vivez accompagné, si la personne qui vous accompagne travaille ou non. Le camarade qui devait venir, malheureusement, ne vient pas parce qu'il s'est dégonflé, n'est-ce pas? Vit avec une bibliothécaire, et donc c'est beaucoup plus facile parce qu'elle a un travail fixe, etc. Donc quand vous n'avez pas cette possibilité-là, vous êtes obligé d'avoir un travail à côté pour remplir la gamelle. Et quand vous appelez votre éditeur pour lui dire, non, tu peux faire une rallonge de 1000, c'est un peu comme si vous lui arrachiez une oreille doucement avec une tenaille. Et en fait, la réponse est non, en général, parce qu'ils n'aiment pas les tenailles. Donc, est-ce qu'on peut vivre de sa plume? On peut vivre de différentes façons, c'est-à-dire qu'on peut faciliter, on peut mettre du beurre dans les épinards, c'est-à-dire que les interventions comme ça d'hier à la prison ou comme d'autres dans des lycées ou dans des choses comme ça sont des petits plus qu'on facture, parce qu'il y a une charte pour facturer, il y a un tarif, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc on facture nos interventions et ça amène un petit peu du beurre dans les épinards. Si vous voulez, avec mes cours, même si je fais 30 heures de cours par semaine, ce qui est mon lot habituel, on va dire, j'écris 2 heures le matin, je vais travailler 7-8 heures et j'écris peut-être le soir où je regarde des documentaires ou ce genre de choses. Donc c'est constamment mon tâche de fond de toute façon. Hein. Entre midi et 2, j'ai la possibilité chez certaines des entreprises où je travaille d'avoir mon PC et j'écris entre midi et 2. Aussi. Et donc les petites interventions à l'extérieur, ça met 200, 300, 400, 500 euros par mois qui tombent. C'est bien. Ça permet de ralentir un peu, de lever le pied sur le boulot alimentaire, le boulot gamelle, pour pouvoir se consacrer un peu plus à l'écriture, voire pour pouvoir dormir un petit peu plus longtemps. Et entre ça, qu'est-ce qu'on fait? On a un week-end de libre à peu près sur 2 week-ends. Le deuxième, on fait des salons, comme ici, où on vend des quantités astronomiques de livres. Comme tu le sais, tu étais assise à côté de moi. Mais c'est bien parce qu'on rencontre le public et ce qui fait plaisir de rencontrer le public, c'est que ça donne une scène. On a l'impression d'exister. Voilà, c'est pas simplement, je vais à la bibliothèque, oh tiens, je vois un Milik, c'est super cool, quoi. Voilà. Bon. Mais le fait de venir en salon, on existe, c'est un petit peu, j'ai été musicien pendant très longtemps, c'est un petit peu ma scène à moi maintenant. Je viens là, je suis un petit peu en représentation, je vais vous chanter un truc tout à l'heure. Non, dites-moi. Voilà. Mais est-ce que moi j'en vis pas pour l'instant, mais on a toujours, pourquoi on le fait? Parce qu'on aime ça, évidemment, on aime raconter des histoires, on aime se documenter, on aime tout ça, c'est un vrai travail ça. Moi, ça me prend 8 mois pour écrire un bouquin comme ça, qui fait je sais pas combien, 500 ou 600 pages. Ça me prend 8 mois, donc 2 mois de documentation. J'adore ça. Je contacte des gens partout dans le monde qui connaissent le sujet. Oui, entrez, c'est par ici. Il pleut pas et tout, il fait bon. Voilà. Il y a des gens sympathiques et tout ça. Et donc, ça me prend 8 mois. Mais c'est un plaisir. Bien sûr, c'est un travail. Après, quand l'éditeur il vous dit « Alors, coucou, c'est vachement bien ton truc, tu vois, mais... je pense que ça rentre pas dans les lignes éditoriales, ou alors il faudrait que ce soit pas cher. » Voilà. Voilà, donc je sais pas combien d'entre vous dans la salle écrivent, je sais que la dame là-bas, oui. Mais vous êtes assise en face de moi, derrière des livres? Ah d'accord, mais c'est pareil, vous le représentez, voilà. Qui d'autre écrit ici? Oui? Quoi donc? Quoi donc, pardon? Oui.
Des nouvelles dans quel domaine? Toujours de littérature imaginaire. D'accord, ok. Et si je vous pose la question, vous en vivez? €40 par. Si c'est par jour, c'est bien. Ah non, 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 depuis 2 ans. Ah oui. Ok, je vais laisser la parole à mon camarade. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis que c'est vrai que quand j'ai commencé assez jeune, en tout cas, c'est vrai que le contact avec le public et tout ça, on ne connaissait pas, comme tu disais. On s'apercevait que ces bouquins étaient sortis parce qu'on les voyait dans les halls de gare. Et c'est à peu près tout, quoi. Ce qui était quand même très très bien, surtout qu'en plus, à l'époque, on avait un chèque. À l'époque au fleuve noir, on avait un véritable avaloir, et donc les bouquins se vendaient à peu près, vu qu'en général ça tournait autour de 10-12 000. Alors, il y a deux questions que je voudrais poser. D'abord, si on peut voir le passé, en fait, le roman, dirons-nous, quand même plus ou moins populaire, qui est celui qu'on fait, il y a eu une époque, notamment les années 60-70, où on pouvait en vivre très bien. Un G.G. Arnaud, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, autour de grands talents, qui n'a pas fait que la Compagnie des Glaces, qui a fait des polars absolument géniaux, était très candide. Il disait que dans les grandes époques, il lui arrivait de gagner 300 000 francs par an. Je vous laisse faire vous-même le calcul. On se dit en même temps, c'est probable qu'il se levait le matin et qu'il attaquait la machine à écrire, quoi, parce que pour ça, il fallait quand même avoir une assez belle productivité, mais il y avait quand même assez de débouchés pour pouvoir le faire. Et sinon, je ne sais pas si la traduction rentre dans la notion de vivre de sa plume. Je me rends compte que finalement, tous les auteurs qui peuvent, ouais. Je vois qu'il y a énormément d'auteurs hein, oui. qui justement dans ceux qui peuvent faire un parallèle, qui peuvent le faire en parallèle, le font. Ouais. Donc je pense que ça peut rentrer dans... Bon, évidemment, c'est pas donné à tout le monde, il faut pouvoir le faire. C'est un peu logique que ce soit des auteurs, parce qu'en fait, le bon traducteur, c'est celui qui connaît bien plutôt sa langue d'origine que celle de l'autre. Bon, après, on ne va pas faire un débat sur la traduction, ça sera encore un autre domaine, il y a beaucoup d'idiosyncrasies dedans, mais quand même, un auteur, il y a des fortes chances qu'il puisse voir ce que veut dire l'auteur, si toutefois c'est de la fiction, et le retranscrire à peu près. Bon, il y a des exemples, il y en aurait. Par exemple, j'ai traduit une nouvelle qui était dans ma toute première anthologie de Brian Hodge, qui était sur un groupe d'électro-industriels très influencé par Skinny Puppy. Bon, ben, c'est une musique que je connais très très bien. Et à mon sens, il y avait vraiment une scansion du texte qui se rapprochait de cette musique. Donc je pense que quelqu'un qui n'aurait pas eu le bagage aurait peut-être fait une bonne traduction, mais n'ayant pas cette référence, ne l'aurait pas forcément vue. Sinon, alors, moi ça me faisait toujours brère dans le temps quand on faisait la complainte de pauvres petits traducteurs, parce que je suis désolé, fut un temps, disons dans les années 90-2000, où on pouvait vivre correctement, je dirais, en tout cas, si on bossait bien et qu'on bossait chez des gros, c'est-à-dire des gros qui payaient, on pouvait avoir l'équivalent de salaire de cadre, ce qui est quand même pas mal au jour d'aujourd'hui. Malheureusement, c'est en train de changer parce que de plus en plus, on existe d'avoir une Jaguar au prix d'une Trabant. Enfin, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais dans ce cas-là, maintenant, il faut vraiment avoir la chance d'être chez des gros, entre guillemets, qui payent encore. Il y en a encore, je l'ai connu il n'y a pas longtemps. J'ai un peu laissé mourir mes contacts, ça c'est un petit peu ma faute, bref. Mais contrairement à ce qu'on disait souvent, fut un temps où la traduction, contrairement à l'écriture, ça nourrissait son âme. Ça nourrit certaines personnes encore, parce que par exemple, on connaît Mélanie Fazi par exemple. Mélanie ne vit que de la traduction, mais c'est son dada. Elle fait des nouvelles, elle ne fait pas des romans. Alors je ne dis pas combien de temps il faut pour faire une nouvelle chez Mélanie, c'est des nouvelles très travaillées, mais elle vit de la traduction, elle traduit des auteurs quand même un petit peu cossus, comme Brenton Sanderson par exemple, où elle fait des sagas. Donc elle peut vivre de Brandon Sanderson, entre guillemets, quoi. Il y a le pour et le contre, parce que, par exemple, quelqu'un comme Lionel Dabouste a arrêté la traduction parce que ça empiétait sur son imaginaire d'auteur. Voilà. Moi, j'ai traduit que des nouvelles. J'ai refusé de traduire des romans parce que j'ai pas le temps matériel entre le travail qui remplit mon frigo... Dans ce cas-là, tu me les files. Hein ? Dans ce cas-là, tu me les files. Oui. C'est vrai, je pourrais faire ça. j'ai pas le temps matériel de faire une traduction qui va me prendre beaucoup de temps parce qu'il va falloir que je m'approprie le bouquin, que je le lise, que je le relise, que je le comprenne bien. Parfois que j'appelle l'auteur, quand il est vivant évidemment, que j'appelle l'auteur pour ça. Vous allez où, vous?
Et je me suis dit, ça, c'est ma compagne, il faut bien quand même que je fasse preuve d'autorité un petit peu de temps en temps. Bon, voilà. Mais, putain, je ne sais même plus ce que je disais. Des bêtises. Ah, ben voilà, des bêtises. Bah, je vais continuer. Voilà. Non, la... la trad, la trad, ça prend trop, donc Olivier Davoust a arrêté parce que ça lui prend trop de temps. Moi, ça me prendrait trop de temps aussi. Les nouvelles, ça va, c'est vite fait parce que c'est des trucs de 10 pages, etc. On s'approprie vite le texte. S'il y a un doute, par exemple, j'avais traduit Jet de Bruce, qui est un auteur flamand, dont j'avais eu la nouvelle en anglais, alors que c'est écrit d'origine en flamand, quoi. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit, il y a des jeux de mots, je comprends pas, là. Il me dit, mais ça dit quoi et tout, machin. Et donc, je lui retraduis en anglais parce que je parle pas de flamand. Et il me dit, mais c'est quoi ce truc? C'est pas ça que je voulais dire et tout. Et voilà. Donc, en fait, je lui dis, écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre tes vannes que tu as racontées. Je vais trouver des vannes dans le même contexte en français. Je vais les mettre. Il me dit, ouais, t'as bien. Ouais, fais ça. Voilà, fais ça. Voilà. Donc, mais sans l'autorisation de l'auteur, je me serais pas permis de faire ce genre de choses. Donc, heureusement qu'il est vivant, parce que quand on traduit par exemple Lovecraft, c'est difficile de l'appeler. Quoi qu'en faisant tourner une table, peut-être. Voilà. Ah, c'est vrai que j'avais retraduit la route 666 de Zelazny, et bon, il y avait des moments où un petit peu fumé la moquette, on s'est un petit peu demandé précisément ce qu'il voulait dire. Ça, c'était. On aurait peut-être pu lui demander s'il avait encore consommé de l'oxygène à ce moment-là, mais malheureusement, c'était un petit peu trop tard. Alors j'espère pas l'avoir trop trahi. Vous avez parlé des interventions? Et qu'effectivement, c'est une chose importante. Et est-ce qu'on parle beaucoup des interventions en jeunesse et tout, mais finalement, quand on est auteur adulte, il y a effectivement intervention en prison, atelier d'écriture. Quel type d'intervention vous êtes éventuellement amené à faire? Ben, hormis les meurtres sous contrat, tu veux dire? Oui. J'ai fait des interventions en lycée, en CAT, en LEP, en maternelle, enfin en très jeune. J'ai fait donc en prison, en centre pénitentiaire pour mineurs, pour adultes, en lycée, en fac. C'est ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on nous appelle, par exemple, on fait principal, enfin je fais, on, je dis moi, hein, j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture pour des clubs. Que ce soit des clubs d'écriture, de lecteurs, etc., des associations. J'en ai fait aussi en lycée, dans les écoles. Ça, c'est principalement, j'ai fait aussi des conférences, j'ai fait des ouvertures de salons où on transmet les données du truc. Il faut bien parler de la boîte, que la boîte c'est ceci, que la boîte c'est le monde, que voilà, tout ça. Donc je suis assez focus, je fais ça très bien. La boîte, avant qu'on me transmette le truc, j'en avais jamais entendu parler. Mais j'arrive, je me promène, je suis debout et tout, je fais mon show par cœur, tout en. Voilà, je connais tout, je tutoie le président et tout ça, machin. Et tout le monde est très content. Voilà. Et ça fait partie des trucs qu'on a parce que on a lu un jour ou l'autre notre nom sur un bouquin. Donc ils se disent, ah ben tiens, lui, il a parlé, il y a machin qu'il a lu dans le service de trucs, tu le connais? Bah non, et on appelle l'éditeur et puis hop, ça tombe. Et ça, c'est très bien parce que c'est des choses qui sont des annexes, qui sont ludiques. Moi, j'adore faire ça. C'est des trucs ludiques. Donc, les ateliers d'écriture, j'en ai fait un monceau. Donc, j'ai tout un tas de dossiers d'ateliers d'écriture sur le thriller, sur le suspense, sur comment créer des méchants sympathiques, sur comment créer des gens sympathiques qui sont un peu fourbes, enfin, tout un tas de trucs comme ça, quoi. Donc, ça, c'est super sympa parce que ça. En même temps, ça permet de se réfléchir sur soi-même. Moi, j'aime bien parce que ça ramène du pognon, soyons clairs. Hein. Ça permet de réfléchir sur soi-même, mais si ça me coûtait du pognon, je ne le ferais peut-être pas. Voilà. Donc, tout ça parce qu'on ne vit pas de ça. Si ce truc-là m'avait rapporté 50 000, 80 000, 38 000, je ne serais pas en train de discuter avec vous, puisque je serais hors concours. Et puis, je serais seul en France, en plus. Vous détesterez cordialement, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais donc oui, les interventions, c'est super important. Ça garde le pied à l'étrier, ça fait connaître. J'ai fait un truc, c'était Alstom ou c'était EDF, enfin un des deux. J'ai fait un truc, et... c'était la Société Générale. Des gens compatriotes, hein, ils sont complètement fauchés de ça. Donc j'étais dans le hall de la Société Générale. J'ai pas vendu un bouquin. J'avais tous mes bouquins, j'ai pas vendu un bouquin. Mais la Société Générale m'avait payé pour être là. Donc, je suis resté là, j'étais dans le hall de la Société Générale à la Défense à Paris, et en parallèle, je ne savais pas, ils ont une bibliothèque
au 36e étage d'une tour dans la chambre. Et ils avaient acheté tous mes bouquins en 10 exemplaires. Donc après, j'ai dit, ouais, j'étais payé, j'ai vendu, je sais plus, 50 bouquins ou 60 bouquins, enfin, voilà, c'est un truc de malade. Voilà. Donc, mais c'est bien parce que ça fait connaître, parce que. Et puis, parce qu'on prend un peu de blé. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est le contact. Les gosses, par exemple, les gosses, les adultes, tout ça, ils ont des questions qu'on n'imagine même pas, des fois. Ils ont des questions qu'on n'imagine même pas. Et ils disent, mais pourquoi tel truc? On ne s'est jamais posé la question. On fait tel truc parce que c'est comme ça. Hein. Mais le gosse, il va vous poser la question, il va vous dire, mais là, monsieur, je comprends pas. Pourquoi vous dites ça? Eh bien, parce que une voiture, ça a 4 roues. Ouais, mais on est dans le futur, pourquoi? Ah ouais, d'accord, ok, donc on peut repartir sur quelque chose, et on repart sur des arborescences qu'on n'a pas forcément étudiées. Alors c'est super sympa pour ça, c'est aussi super sympa parce qu'on est un petit peu rémunéré pour le faire. Voilà. Et on est rémunéré pour le faire quand on commence à avoir... en ce qui me concerne moi, ça a commencé de tomber quand j'avais 4 ou 5 bouquins de publiés. Maintenant c'est assez régulier, mais avant c'était... Et ça met vraiment du beurre dans des épinards, et ça reste... dans le métier d'écrivain. C'est pas un truc, c'est pas faire la plonge dans un resto, j'irai pas même si ça rapportait le même fric. Il y a un point où il y a des choses que je connais pas sur votre parcours. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un bouquin qui soit signé, puis qui finalement ne sorte jamais, ce genre de choses, parce que on sait que au niveau des... Beaucoup de gens s'imaginent qu'à partir du moment où ils ont reçu un oui, Tout est clair, tout est tranquille, que ça y est, c'est la réussite. Donc, c'est justement, en fait, c'est ça, un peu ça aussi, c'est le thème des galères d'auteur. Sur ce plan-là, racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu. Ah bon, parce que non, on n'a pas eu ça. Si, moi, ça fait le coup pour un gore qui avait été, où il devait m'envoyer un contrat. La collection Gore, quand elle existait encore, le bouquin a été écrit, et puis en fait, la collection a été arrêtée extrêmement abruptement, plutôt sur des décisions éditoriales d'ailleurs que par un manque de lectorat, et du coup, je suis resté un petit peu sur le sable. C'est dommage parce que le trash l'aurait bien repris, mais par contre, quelques déménagements plus tard, pour retrouver le manuscrit, bonjour. Et puis, trash est fini en plus, qu'ils avaient au début. Au moins, David Didlot n'a pas parlé dans son bouquin sur la collection Gore. C'est à peu près la seule existence qu'il aura probablement. Sinon, oui, j'ai aussi des traductions qui... ça arrive rarement que je les ai faites et que, en cours de route, soit il y a eu un changement, soit en fin de route, ils décident de ne pas sortir le tome 2, etc. Même parfois quand ils m'ont payé. J'avais traduit, j'en parlais avec je ne sais plus qui, la passionnante bio de Jackie Chan vers les années 2000, par là. Et en fait, ils m'ont payé quand même pas mal de sous, mais il faut dire qu'ils tenaient un cinéphile niveau 10, c'est dingue, de cinéma de Hong Kong, qui avait pu leur trouver toutes les sorties, les retitrages en vidéo, etc. Donc je suis même pas sûr qu'ils s'en seraient aperçus, mais enfin, c'est un petit peu un traducteur, on a la fierté de l'artisan et du travail bien fait, donc, qui m'ont payé énormément de sous, puis qu'on trouvait plus intelligent pour être sûr de ne pas perdre de l'argent en sortant, de ne pas le publier. Et on fait ça aussi avec la série des F. Paul Winson, la série Perman Jack, où en plus, c'est parce que c'est marrant. En plus, le Thunder va être déménagé et ils avaient perdu mon manuscrit, ils m'ont fait tout un schproum pour essayer de l'avoir. C'était avant Internet, donc je l'avais mis sur une disquette, comme par hasard, c'était sur un lecteur qui était obsolète, il a fallu carrément que je rachète un lecteur pour pouvoir lire la disquette, pour pouvoir leur ramener le manuscrit, que bien sûr, ils n'ont jamais publié. Bon, il a été payé, au moins, celui-là. Sinon, en roman, il n'y a vraiment que cette histoire de gore... Je sais, par exemple, il y a un gars, on ne peut quand même pas dire qui c'est, mais enfin, qui est tombé sur un éditeur qui l'a appelé en disant « Ouais, votre manuscrit est vachement bien, mais faudrait changer ça. » Ce qu'il a fait. Une réécriture après, quelques repas plus tard, de l'éditeur pour lui expliquer qu'il était un génie et grâce à lui, il a gagné plein de sous. Mais par contre, faudrait que vous changiez encore ça. Et en fait, faudrait que vous changiez encore ça. Quand même, à 3 ans d'aller-retour à ce niveau, il a quand même fini par considérer que le gars n'avait absolument pas l'intention de le sortir et il s'est amusé juste de jouer les gros bras devant un jeune auteur. L'a envoyé chez un autre éditeur qui l'a publié. Le bouquin, dans sa première formule, le bouquin a très très bien marché. Mais ça, je pense que si on demande à beaucoup d'auteurs des histoires d'horreur comme ça, ils en auront. Moi, j'ai juste eu de la chance, moi. Faut croire, vous êtes tombé sur les bonnes personnes. Finalement, toi, t'as eu de
de soucis directement avec tes éditeurs? J'ai pas eu. Alors si, j'ai eu un souci avec un éditeur, mais le bouquin était sorti, payé, et le bouquin est sorti. C'est pas la même chose. C'est juste que c'était une personne super délicate, qui a, pour des raisons qui lui appartiennent, sans doute financières, oublié de me payer les droits d'auteur. Voilà. Et après, moult, rappel, n'a pas payé les droits d'auteur, donc j'ai envoyé une lettre recommandée pour récupérer mes droits. Donc les droits de ce livre m'appartiennent et je lui ai interdit d'utiliser mon nom sur son site internet, et d'une quelconque manière. Voilà. Mais le livre était sorti, lui, et ça, c'était mon deuxième éditeur, donc ça fait. C'est mon deuxième bouquin, ça fait quand même un peu lourd. C'est-à-dire qu'après, vous faites gaffe. Voilà. Après, vous enquêtez sur l'éditeur, et vous dites, je vais aller chez lui. Donc là, après, c'était Ad Astra. Après, j'ai pris chez Ad Astra, donc c'était Xavier. C'était aussi un ami qui montait sa maison d'édition et qui avait entendu parler que j'avais un roman sous le coude qui traitait de pirates. D'ailleurs, un excellent ouvrage que vous trouverez sur ma table de dédicace, là, qui s'appelle « Les pilleurs d'âmes ». Et dans sa version d'origine, donc en grand format comme ça, là, il m'avait dit « Ouais, écoute, j'aimerais bien, je peux pas te payer beaucoup, mais voilà, tout ça. Bon. » J'avais ce truc-là depuis... effectivement, il y avait peut-être une petite histoire en parallèle, c'est que ce truc était prévu pour Bragelonne. Bon. Bon. Et puis Bragelonne s'est dit... il était écrit avec des... La trame était à peu près identique, mais elle était faite avec des Mongols. Donc les Mongols, les clans, Genghis Khan, etc., Nina, Tenjin... Voilà, enfin, il y a, bon, pas avec ces gars-là. Et puis, quand ça a été terminé, Braj m'a dit, ouais, finalement, les Mongols, on vient de signer David Gemmell, les Mongols, on va pas prendre, t'as pas un autre truc? Et j'ai dit, bah écoute, et je sais pas pourquoi je dis ça. Des pirates? Ah ouais, génial, les pirates, on en a pas, des pirates et tout, fais-nous un truc avec des pirates. Bon, je reprends le scénario. Oui. Je balance avec des pirates en retransformant les bateaux, les lieux, les dates, etc. Le scénar était globalement un peu la même chose, parce que les clans ou les pirates, c'est un petit peu pareil, c'est une différence d'échelle. Et puis, en fin de compte, ça traîne. C'était pas oui, c'était pas non, c'était rien. Donc j'attends, puis j'en fais un autre entre-temps. Donc celui-là, il passe un peu aux oubliettes, jusqu'à ce que ce gars, un jour à Sèvres, vienne me voir et me dit... il y a le mec de Braj qui m'a dit que t'avais un truc sur les pirates qui dépotait vachement et tout, est-ce que je peux l'avoir? J'en ressors du tiroir et il le publie. Et ce truc marche vachement bien, et d'ailleurs il est sur ma table de dédicace en bas, il s'appelle Les Pirates. Couverture rouge, vous pouvez pas le rater. Mais donc voilà, c'est ma seule mésaventure. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était pas une mésaventure, puisque du coup, cette toute petite maison d'édition l'a réédité 4 fois, tellement il s'était bien vendu, il a reçu le prix Rony en 2010, ou 11, je ne sais plus. Et donc il a super bien marché. Pour une toute petite maison d'édition, c'était leur premier livre publié, ça leur a permis d'exister parce que le livre s'est vachement bien vendu. Donc ça, c'était une belle expérience. Mais après le coup de celui d'avant, quand je suis allé chez Critique et qu'ils m'ont dit « on va racheter les droits de votre livre publié chez Rivière Blanche, ça s'appelle « Les étoiles sans balance », je crois que c'est celui-ci », et j'ai un petit peu « oui, je suis super content, mais c'est qui ces mecs ?» De là, je regarde, ils publient qui, combien ils ont publié. Ah, mais je connais machin. Dis donc, truc, t'es publié chez Bidule. Ça marche bien? Ben oui, c'est super bien et tout, super content. Ok, bon coup. Donc. Et du coup, chez eux, j'ai fait 6 livres, dont 3 sont là. Voilà, j'ai fait 6 livres chez eux, 3 post-apo de cette série-là, et 3 thrillers de cette série-là. Voilà. Mais donc maintenant, je viens de passer chez un autre éditeur. C'est pas parce que je suis en conflit avec Critique du tout. C'est parce que j'avais envie de changer de genre et de changer de diffuseur-distributeur. Bon, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un diffuseur-distributeur. C'est le nerf de la guerre dans l'industrie du livre. Oui, entrez, il pleut pas, on a des cookies et tout et tout. Donc le diffuseur-distributeur, c'est un représentant de commerce qui appartient à une maison de distribution, d'accord, qui est en cheville, entre guillemets, sous contrat, par exemple, avec Critique, d'accord, en l'occurrence, c'est Harmonia Mundi, le diffuseur-distributeur, et cette personne a des représentants de commerce qui vont se promener, hein, je schématise un camarade, qui vont chez les libraires, à la FNAC et tout ça, avec le catalogue, disant, putain, j'ai celui-là chez Critique, c'est un truc, mais ça déchire sa race et tout, et la FNAC dit, ah, ben super, donnez-moi-en 2. Voilà. Donc, par exemple, voilà, donc c'est à la FNAC d'ici, l'autre FNAC de machin, le truc, etc. Ils vont voir les acheteurs principaux aussi, ils vont voir la FNAC, et la FNAC générale va dire, bon, on va en prendre 150 et qu'on va diffuser un petit peu de partout, voilà.
Et ça, c'est le nerf de la guerre, le diffuseur. Et donc, ça fait 6 bouquins que je suis chez eux, je ne suis pas très content du diffuseur, donc je change de maison d'édition pour essayer autre chose. Mais pour ne pas leur faire un enfant dans le dos, j'ai fait un livre qui est d'un style complètement différent pour aller chez quelqu'un. Et je les ai prévenus, ils le savent bien, ils m'ont même filé des adresses d'éditeurs, etc. C'est un peu un passeur aussi critique, un petit peu à la mode de Rivière Blanche, hein, si tu m'arrêtes, si je dis des bêtises. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont contents que leurs auteurs montent, même si ce n'est pas avec eux. Voilà. Donc, ils m'ont filé des adresses, j'ai des trucs de Gallimard en direct, etc. Pour placer. Donc, il se trouve que j'ai choisi un autre, enfin, que j'ai choisi. J'ai envoyé, et puis j'ai eu des réponses, et dans les réponses, j'ai choisi un éditeur pour le style du nouveau bouquin. Donc, il y a tout un tas de choses à savoir. Qu'est-ce qui entre en jeu dans le gain d'un auteur, dans l'argent? C'est pas seulement l'auteur qui est en jeu. À partir du moment où un éditeur a pris votre livre, vous pouvez considérer qu'il est bon. Parce que le mec, il va investir 5000 euros pour fabriquer ce bouquin. Peut-être même plus d'ailleurs, je ne sais même plus. Il est sorti, ça dépend en combien il sort. Je crois que celui-ci est sorti à 4000 exemplaires dans le premier tirage, puis il a été retiré plus tard. Donc, en grand format comme ça, avant d'être racheté par Folio, qui lui l'a tiré en poche. Donc ils investissent de l'argent d'abord. Ils vous prennent un manuscrit, puis il va falloir le faire corriger, puis il va falloir le faire relire. Tout ça, ça coûte du pognon. Puis il va falloir se dire, on va le mettre dans quelle collection. Bon. Après, il y a l'histoire du diffuseur. Parce que le diffuseur, c'est pas gratos, il prend 30% carrément. Hein. Donc si vous regardez le coût d'un livre, on fait un petit camembert, d'accord, on va prendre ce livre. Tiens, tu peux me tenir ça, s'il te plaît. On va prendre ce livre. Vous voyez, ce livre, il vaut 23,50 €. Vous reconnaîtrez que pour un tel talent, c'est un prix modique quand même. Bon, voilà. Entrez, mademoiselle. Donc ce livre, il vaut 23,50 €. Donc j'ai un contrat à 10%. Ça veut dire que je touche 2,30 € chaque fois que ce livre est vendu. Ok, sous ce format-là, je ne parle pas du poche. Hein. Sous ce format-là, ça veut dire que l'éditeur va gagner ça, d'accord, en comptant l'imprimeur. Ok, le diffuseur va gagner ça. Le reste ici, c'est la FNAC ou le point de vente. Voilà. Et ce qui est en dessous de la bande bleue, là, c'est moi. Voilà, c'est ça que je gagne. Moi, j'ai bossé 8 mois. Donc, et je ne le compte pas de temps. Hein. J'ai bossé 8 mois, j'ai fait ma doc, tout ça. Et à la fin, je vais gagner ça du livre. Alors, à la question, est-ce que vous gagnez votre vie avec le livre? Quand les gens achètent un livre à 23, ah, putain, vous emmerdez pas, mais vous devez avoir une Rolls Royce, vous devez avoir 3 Jaguars, changer de bagnole toutes les semaines. Plein de nénettes au bord de la piscine et tout, le truc, les gros cigares, la cocaïne, etc. Et en fait, non. Parce que on gagne que ce qui est en dessous de la barre bleue. Et encore ouais. Ceci, en admettant que l'auteur soit payé, oui. Ce qui n'est pas toujours le cas. Non. Voilà. Moi, j'ai de la chance avec eux, j'ai toujours été payé honnêtement. On peut critiquer sur leur réputation là-dessus. Oui, absolument. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont nickel chrome, on pourrait citer des noms. C'est Emma chez qui je travaille, Ernest Evenen, dans leur temps, on pouvait en penser ce qu'on voulait, mais par contre, ces questions droit, ils ont toujours été, mais d'une rectitude, ça pourrait servir de modèle. Mais bon, personnellement, j'ai quand même mon record, c'est un bouquin qui a eu 4 éditions, on peut dire 3,5, parce que il y en a une qui n'a quasiment pas existé, donc l'éditeur a fait faillite après. C'est au 4e que j'ai peut-être gagné 3 sous. Pas 4, hein, 3. Pas 4, hein, faut pas exagérer non plus. Hein. Et les droits sont payés une fois par an. Je ne sais pas si vous le savez, les droits sont payés une fois par an. C'est théoriquement à la date anniversaire du contrat, mais c'est en fait pas le cas. C'est à la clôture de l'exercice. Autrement dit, un livre va se vendre du 1er janvier au 31 décembre, mais il faut qu'on récupère les comptes. Parce que ce diffuseur, le distributeur-diffuseur dont je parlais, Harmonia Mundi, dans le cadre critique, va diffuser les bouquins et à la FNAC va en prendre 150 dans toute la France, par exemple. Je dis un chiffre, c'est n'importe quoi, c'est peut-être 2000, j'en sais rien. Bon. Mais ils ne vont pas tous se vendre. Et la FNAC, il faut bien le savoir, ce n'est pas des libraires, hein. C'est plus des libraires. Hein. C'est comme un produit, c'est comme des pommes, elles ont passé la date, ça dégage. Donc une FNAC donnée en a pris 10 et elle va en restituer 6, 7, 8, peut-être la totalité ou peut-être 2, d'accord. Mais ça va prendre du temps pour la restitution. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas les renvoyer tout de suite, ils vont garder le livre un petit peu. S'ils en ont pris 10 et qu'ils en vendent un par semaine, ils vont en garder un peu. D'accord. S'ils n'en vendent pas la première semaine, ils vont garder la deuxième semaine, la troisième semaine, ils vont tout renvoyer. Donc ils ne vont pas s'emmerder.
D'accord ? Mais les comptes doivent être faits. Donc là, on est sur du truc rapide avec la FNAC. À l'intérieur d'un mois, je ne pense pas me tromper, ils vont restituer les bouquins qu'ils n'ont pas vendus. Vous vous rendez compte ? La durée de vie d'un bouquin, un mois, c'est même pas la longueur de vie d'un pack de yaourt. Et pourtant, celui-là, il a été publié je ne sais pas quand, il n'est pas péré. Non, c'est encore le papier. Hein. Donc, voilà, il y a tout ça à prendre en compte. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, tac, au 31 décembre, on arrête les comptes. Et après, il faut compter. Il y a les retours qui arrivent. Tac, 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 tac. Ils ont 3 mois pour retourner un bouquin. Qui que ce soit, libraire, machin. S'ils ne l'ont pas retourné, on leur prend le blé. D'accord ? Mais s'ils le retournent, tac, il faut le défalquer du nombre de bouquins qu'ils avaient commandés. Donc, c'est ça qui prend du temps. C'est ce qui fait qu'on est payé au mois de mars. Pour la totalité des droits sur un bouquin donné. Il y a encore pas croire que c'est la faute du méchant éditeur. Il a aussi ça peut l'être parfois, mais il a aussi non mais c'est ce que tu voulais dire quoi. Oui, oui, mais il a aussi ses contraintes qu'il faut quand même prendre en compte quoi. Oui, puis bon après effectivement puis t'as des fois bon c'est au mois de mars et puis au mois de juin, juillet, août les droits d'auteur sont toujours pas arrivés. Quelquefois il y a des maisons d'édition et qui sont relancées plusieurs fois. Alors ça c'est des cas effectivement dans le cas de Critique, si vous êtes publié un jour chez Critique, vous recevrez le chèque qui y correspond. Voilà, faire de la publicité pour les gens qui sont honnêtes. Donc c'est pour ça que là vous avez 3 livres de chez Critique. J'ai des livres qui sont publiés chez d'autres, mais qui sont tout aussi honnêtes, parce que bon, j'ai les moutons électriques, j'ai toujours été payé, j'ai je sais plus qui, Folio aussi, j'ai toujours été payé. Mais bon, c'est de la grande maison, c'est Folio, c'est Gallimard, c'est, voilà, il y a de la sauce derrière, ils n'ont pas envie d'avoir une mauvaise réputation non plus, quoi. Et pour puisqu'on parle aussi un petit peu pour les jeunes auteurs qui veulent se lancer là-dedans, est-ce que vous les... Ne le faites pas. Est-ce que vous les orienteriez plus vers, justement, une grande maison d'édition? Parce que la prostitution. Tous les jeunes auteurs ont tendance à rêver d'être publiés bon, chez Gallimard, Et est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il vaut mieux, des fois, débuter par un petit éditeur sérieux? On peut faire une réponse de Normand. Parce que quand vous êtes chez un grand éditeur, il y a un... petit éditeur, bon, je vais faire une grosse synthèse, pour nous, ce qui faire des généralités, là, je sais, la généralité c'est le mal, mais uniquement pour la démonstration. Un petit éditeur, je dirais un Malbertuis, un Sema, etc., bon, il y a quand même un côté éditeur par passion. Je dirais pour Malbertuis c'est un petit peu différent, parce qu'on n'a pas la moindre notion de seuil de rentabilité, de trucs comme ça, on a une architecture très particulière, c'est-à-dire de l'impression à la demande. On reçoit le nombre de livres qu'on veut, on n'est pas du tout tenu, on n'en a pas, enfin plus, c'est, fut un temps il y avait un peu ce problème, on n'a pas un stock énorme qu'il faut à tout prix écouler, sinon on y laisse notre chemise, quoi. Tandis que chez les... on a été distribué, on n'est plus vraiment... Disons qu'on travaille directement avec les libraires, dans le sens où on n'a pas de diffuseur-distributeur, ce qui nous évite aussi d'avoir la note diffuseur-distributeur. Voilà. Et je dirais de l'autre côté, le diffuseur-distributeur, quand on est éditeur ou directeur de collection, c'est la personne qu'il faut absolument convaincre que le prochain bouquin est un chef-d'œuvre et surtout que ça va être le futur best-seller de notre temps. Donc, tandis que si vous allez chez un gros, c'est très gentil, mais déjà il y a un autre investissement, il y en a certains qui ont, comme pour l'audiovisuel, un droit à l'image. Donc ce qui veut dire que, d'une certaine façon, vous ne vous appartenez plus. Vous êtes une marque en vous-même, et en tant que marque, vous ne faites pas ce que vous voulez. On oriente votre image, on peut, pas forcément, mais on peut orienter votre image, on peut vous forcer à faire des séances photos, vous êtes peaupoudré comme la marquise de Montpadour. Topless. Ça dépend pour qui. On peut, bon, même des gens... Et là, je citerai des gens que je connais bien, par exemple Olivier Gay. Quand il a vu en effet tout ce côté représentation, il m'a dit qu'il n'imaginait même pas en fait ce que c'était. Et pourtant, lui, c'est pas Bernard Werber non plus, quoi. Il y a aussi la pression, pour peu que votre bouquin marche, la pression de faire le bouquin suivant, alors que vous avez peut-être eu toute une vie pour faire le premier et que vous avez un an pour faire le suivant. Il faut très bien savoir que vous êtes une machine à fric. Point barre. Le jour où vous ne rapportez pas assez, on vous jette comme une vieille paire de chaussettes et à la limite vous reprenez tout. Je dirais même que parfois c'est beaucoup plus difficile que si vous partez d'un petit éditeur.
Ouais. Parce qu'on considère que, ah bon, quoi, si nous ne l'ont pas gardé, c'est que c'est un tocard qui ne vend pas, et puis voilà. Il y a aussi le fait qu'on s'occupe beaucoup plus de vous chez un petit éditeur. Je considère Critic comme un petit éditeur. Toujours en généralisant. Oui, toujours en généralisant. Je considère Critic comme un petit éditeur, bien que maintenant on pourrait peut-être les considérer comme des moyens quand même. Voilà. Donc c'est des gens qui. C'est une famille. Voilà, je suis rentré chez eux quand c'était une petite maison. J'ai fait 6 bouquins chez eux et j'ai vu grandir la maison, je les ai vus sur les festivals, etc. J'ai vu l'épisode avant, il n'y avait pas de distribution, maintenant il y en a. Donc voilà. Donc là, vous n'êtes pas un numéro parce qu'eux, ils ont une vingtaine d'auteurs. Calimard, il y en a 3800. Donc déjà, soit vous faites un super best-seller, soit on ne s'occupe pas de vous. Mais il y a deux catégories d'auteurs chez les grands éditeurs. Ils font de la couverture. C'est-à-dire de la couverture, j'entends par là, ils vont prendre plein de petits auteurs, donc ils ne vont pas payer beaucoup, ils vont prendre plein de petits auteurs pour couvrir des étagères des libraires de Gallimard. Voilà. Là-dedans, on va espérer qu'il y en a un qui va sortir, ou deux peut-être sur les 200. Voilà. Et après, il y a de la grosse artillerie. Ils ont tout le fond, par exemple, de voilà, il n'y a pas le troisième bouquin de ça, mais c'est sur Mermoz et Saint-Exupéry. Ils ont tout le fond. Tous les droits de Saint-Exupéry en publication chez Gallimard. Alors, ils m'ont dit, si tu veux citer Saint-Ex dans ton bouquin, tu le fais, tu dis par autorisation, par aimable autorisation de Gallimard, et il n'y a aucun problème. Voilà. Parce qu'ils possèdent ça, donc ils ont d'un côté de l'énorme artillerie, parce que Saint-Ex, c'est encore de l'énorme artillerie maintenant. Quoi. Au niveau vente, c'est monstrueux. Quoi. Voilà. Pourtant, il y a longtemps qu'il a pu écrire, bon. Mais ça se vend toujours autant. Quoi. Le Petit Prince, c'est un carton mondial, en permanence, ça, tous les terres des hommes et tout ça. Et puis à côté de ça, il y a. Moi, je suis chez eux, mais je suis chez eux en poche. C'est pas la même chose. Donc, c'est des bouquins, ce qu'on appelle des bouquins de fond. C'est-à-dire que Gallimard, de toute façon, une fois qu'on est au catalogue du poche, on y reste. C'est pas comme Pocket. Si vous vendez plus. Vous chutez dans le seuil de rentabilité, au bout de 6 mois, 1 an, ils vont vous retirer du catalogue. C'est Gallimard, vous êtes dans le catalogue Gallimard, vous y êtes pour ad vitam aeternam toute la vie. Quoi. Voilà. Donc c'est aussi une chose à considérer quand on vous offre un contrat en poche. C'est de savoir chez qui vous allez le signer. Vous pouvez signer, alors, tu vois, à l'autre extrémité, j'ai un contrat en poche chez le Mouton Électrique Helios. Bon. Ça n'a rien à voir au niveau diffusion, au niveau volume, au niveau tout ça. C'est Xavier de chez Adastra pour les Pilleurs d'âmes qui l'avait revendu en poche donc chez les Moutons Électriques. Ce n'est pas le choix que j'aurais fait, mais c'était lui l'éditeur, c'est lui le patron. Ben, bon, voilà. Maintenant, je ne lui reproche rien du tout. Il marche très bien en poche, donc ce n'est pas tellement le problème. Mais il y a un choix à faire, il y a un parallèle à faire. Maintenant, si vous avez la chance que Gallimard vous dise je vous signe pour ce bouquin-là et qu'en même temps Flammarion, Le Seuil, Fayard et Grasset vous disent la même chose, là vous êtes béni. J'attends ce jour avec impatience. Voilà, il y en a beaucoup qui attendent. Il y en a, ils sont morts, c'est jamais arrivé. Donc vous avez ça, et c'est mettons que vous en avez deux, vous êtes en balance, si c'est de la blanche, Grasset, Gallimard. Bon. Grasset et Gallimard, il faut bien voir, il faut déjà vous renseigner, vous allez voir les auteurs qui sont chez Grasset, vous chopez des noms, voir si vous en connaissez, si vous êtes un peu dans le métier depuis un moment. Moi j'en connais chez tous ces gens-là, mais ça fait 10 ans que je suis là-dedans. Donc à force de salons, à force de grands salons parfois, à Paris, à Bruxelles, machin, vous rencontrez, vous êtes à côté d'un tel qui est la tête de liste, vous êtes dédicacé à côté de Frankinos ou de stars de télé, machin. Même les Bogdanov, je les connais personnellement, hein, si. Voilà. Donc vous pouvez vous renseigner et vous dire comment ils traitent là-bas, quoi, comment ça se passe. Et ils disent, bah, des fois, ouais, bah, là, t'es un petit peu un numéro, quoi. Nous, on vend bien, mais il se passe que dalle, quoi. Même des Bogdanov, quoi, quand même, c'est... Voilà. Tout ce folklore détruit pour moi. Voilà. Mais à côté de ça, j'ai été à côté de gens qui étaient super contents d'être chez Grasset ou chez... voilà. Parce que ce sont des grosses boîtes qui ont une grosse inertie. Et quand ils mettent en diffusion, distribution, il y a du volume, quoi. Voilà. Il y a aussi d'autres cas, enfin il y en aurait, je dirais, il y a autant de cadeaux que d'auteurs, évidemment, vu que c'est un petit peu la loterie. L'un vous dira, chez machin, ah non, ça se passe hyper mal, vous ne surtout pas aller là-bas. Un autre vous dira, mais non, j'y suis 10 ans, c'est rien du bonheur. Bon, il y a aussi un autre cas qui peut arriver, qui relève de la politique, je dirais, de la politique au sens éditorial.
Votre bouquin est présenté par machin, truc est le concurrent de machin qui veut absolument grignoter, et donc il fera tout pour couler votre bouquin. Il ne l'a pas lu, il ne sait pas ce qu'il vaut, mais ce n'est pas grave, c'est présenté par l'autre. Ou alors il y a le cas qui est arrivé, quelqu'un qu'on connaît, où son roman sort, mais en même temps l'éditeur avait une nouvelle chimène qu'il voulait absolument lancer comme une savonnette, et donc votre bouquin est sorti en même temps, et votre bouquin, quelle que soit sa qualité, est entièrement passé à l'as. On se l'a dit, Michel Pagel, puisque c'est lui pour l'opacité, il est toujours là, l'autre auteur, lui, il y a longtemps qu'il a disparu. Donc en effet, c'est toujours un petit peu... Je suis alarmiste, mais c'est pas parce que des choses, quand on est premier débutant, on n'y pense pas forcément. Faut savoir, c'est toujours difficile de dire la valeur de ce qu'on a. Donc on n'a pas eu quelques assurances, je veux dire, il y en a qui se disent « Ah oui, mais j'ai eu 50, trop cool, lol, MDR sur Facebook, donc je suis un génie. » Oui, Toto, d'accord. Il y en a parce qu'ils ont fait le 23e plagiat d'Harry Potter, ils sont persuadés que vous allez leur filer des millions pour avoir leur chef-d'œuvre, etc., etc. Donc bon, faut savoir ce qu'on veut. Chez un grand, personnellement, j'aimerais bien aller une fois chez un grand, pour pouvoir dire, ça y est, voilà, je l'ai fait, j'en suis capable, quoi. Même si c'est signé avec le diable, même si après je dois retourner à des petits éditeurs, mais comme ça, je dirais, voilà, au moins je l'ai fait, j'ai plus rien à prouver. Après 30 ans de métier, quand même, c'est un minimum. Mais en même temps, voilà, peut y avoir des contraintes auxquelles on ne pense pas forcément. Et en tout cas, c'est sûr que quand on attaque là-bas, on met le doigt dans une grande machine commerciale, et faut avoir quand même être sûr d'avoir les reins solides. Et bien sûr, il y a des contre-exemples, il y a des gens chez qui sont chez des gros, qui sont chez des gens qui s'adorent, avec qui tout se passe bien du début à la fin, qui vous le disent sincèrement en off. Donc, c'est une gigantesque loterie, en fait. Bon, d'autres vous diront, au contraire, chez des petits éditeurs, ouais, en fait, ils se veulent Galli Grasseuil, alors que c'est un petit machin qui se la pète, alors qu'il tire à 200 exemplaires, etc. Bon, c'est aussi des cas de figure qu'on a vus. Donc c'est une espèce de gigantesque loterie, en fait, où malheureusement c'est triste à dire, mais en dehors de la qualité de ce que vous faites, quand même le facteur chance, le facteur être au bon endroit au bon moment, joue énormément. C'est, on voit les best-sellers, d'accord, le 50 nuances de Grèce, là. Je suis désolé, c'est pas un truc du marketing, c'est un truc du public. C'est pas un livre. Non. Toute proportion. Mais oui, mais c'est quelque chose qui, à sa façon, se fait tout seul. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est touché aux zeitgeist du moment, les Dan Brown, le Da Vinci Code. À l'origine, l'éditeur y croyait moyen parce que le premier s'était pas très vendu. L'éditeur français l'a quand même acheté pour une bouchée de pain en disant allez, on tente le coup. Et puis voilà quoi. S'il n'a pas eu plus de promos que les petits camarades, ça a été un succès du public. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il a touché à quelque chose. Ne me posez pas la question pourquoi, je ne saurais pas y répondre. Mais 50 nuances de gris, c'est parce que ça a été acheté par le cinéma avant de sortir en bouquin. Donc déjà, il y avait de la grosse artillerie marketing dessus. Merci, Gignon. Voilà. Donc il y avait de la grosse artillerie marketing. Donc ça aussi, c'est à tenir en compte. Mais bon, quand vous débutez, vous avez extrêmement peu de chances que ça vous arrive. Et même quand on parle de J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, on ne peut pas appeler ça son début. Elle a proposé ça à je ne sais combien d'éditeurs qui ont dit « Mais ça, c'est carrément du caca. Quoi. Ça ne va jamais se vendre, un truc avec un sorcier, avec des lunettes rondes, une cicatrice sur le front, mais sans déconner. » Pour te dire, l'éditeur de Simenon, c'est dans sa bio. En fait, quand elle a écrit les deux premiers Maigret, elle a dit « Non, attendez, on a lu vos trucs, mais c'est quoi ça? C'est pas un enquêteur. En fait, il n'y a pas de déduction, il y a stratosisation. À la fin, il va boire sa bière dans le bistrot en mettant le bargif de la patronne, et puis ça y est, il a résolu l'enquête. Bon, écoutez, on vous aime bien, on vous sort quand même les deux premiers que vous ne les ayez pas écrits pour rien, mais vous revenez à ce que vous faites habituellement. » Et les deux romans, ils sont vendus, il n'y a même pas besoin de donner les chiffres, quoi. Ça a été un succès gigantesque dès le départ. C'est l'affaire Saint-Fiacre, je crois, le premier aussi, je me rappelle bien. Parce que c'était quelque chose qui était complètement à part et qui a touché. Bon, maintenant, je ne sais pas si quelque chose qui vient de nulle part, complètement à part, à l'époque des franchises et où on ne veut surtout pas la moindre originalité pourrait marcher. Enfin, je veux dire, en cinéma, ils sont tous espignolés sur Carpenter et compagnie, en oubliant joyeusement que, petit 1, Carpenter, la plupart de ses films, à leur sortie, se sont plantés. Et petit 2, que manifestement, le public préférerait crever plutôt que donner sa chance aux Carpenter d'aujourd'hui, si ce n'est pas des franchises, des suites, des remakes. Enfin, il suffit de voir le box-office et on a compris, quoi. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Parce que là, on va arriver bientôt à la fin de l'heure. En tout cas, voilà. Oui, oui. Vous disiez souvent 8 mois pour écrire un livre. Estimez que c'est la date, on peut dire
le délai rentable, vous estimez que c'est pas la peine d'aller plus loin pour être édité? Non, c'est mon rythme. C'est mon rythme. Sur les 8 mois, j'ai environ sur des bouquins qui sont des thrillers très documentés en histoire. J'ai 2 mois, 2 mois et demi de documentation, mais c'est étagé tout le long du bouquin. C'est pas au début, je fais 2 mois de documentation. Je m'intéresse à un sujet, je me documente. Là, c'est quoi? C'est Robinson. Donc je me documente sur Robinson, je lis encore une fois Robinson Crusoe, puis la biographie de Daniel Defoe, puis la biographie de Robinson Crusoe, qui est un type qui a réellement existé. Donc je lis ça, puis je me rends compte que tout ça est complètement différent de ce qu'on s'imaginait au départ, et je me dis, là, je tiens un sujet. Donc à partir de là, j'enquête sur son époque. Comment on s'habille, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on vit, comment ça se passe, politiquement, c'est quoi qu'il y a, c'est qui le roi, c'est qui, etc. Donc tout ça pour avoir des petits détails qui font vrai dedans. Donc ça, ça se passera, ça va s'étager tout le long de mon récit. C'est ce qu'on appelle en termes techniques des effets de réel. Voilà, des effets de réel. Et donc après, je construis mon intrigue qui, elle, n'est pas réelle, mais qui se base sur ces choses-là pour avoir l'air d'être réelle. Mais ça, c'est le boulot d'écriture. Et ça, entre le moment où j'attaque un sujet et le moment où... j'ai un rituel, j'ai un cahier sur lequel je prends mes notes, sur lequel je mets le titre du roman. Très souvent, j'ai le titre du roman avant d'avoir écrit le livre parce que j'ai l'idée du truc. Bon. Et à partir du moment où j'ai mis le titre sur ce cahier, c'est le top départ. Et entre ça et le moment où je referme le cahier, qui est donc plein, à ce moment-là, j'ai travaillé en parallèle en écrivant directement à l'ordinateur, il s'écoule en règle générale 8 mois. Et c'est pour ça que j'ai un livre tous les ans, parce que entre le moment où je remets le manuscrit au bout de 8 mois, à l'éditeur, il lui faut 2 mois et demi, 3 mois de délai entre correction, retour, bêta-lecteur, etc. Ça revient vers moi, tout ça, on décide de la couverture, tout ça, truc. Voilà. Et après, c'est édité. Donc là, il y a 1 mois et demi de délai chez l'imprimeur. Et voilà. Puis après, il faut voir réunion avec le diffuseur-distributeur pour lui dire, c'est le bouquin du siècle, quoi. C'est un truc de malade, quoi. C'est, voilà. L'éditeur en a des frissons quand il en parle et tout. Moi, je pleure à moitié, tout ça, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, tout ce délai-là fait, donc, c'est 8 mois de travail solide, et après, c'est de la logistique éditeur, on va dire, et puis il sort au bout de 11 mois, 1 an, quoi. Voilà. Pour un bouquin qui font environ 600 pages. Une question sous-jacente, du coup, on parlait de bêta-lecteur, c'est-à-dire que vous avez des retours, vous faites des modifications, après c'est... Absolument, donc ça c'est la gymnastique avec un véritable éditeur, c'est ce qui se passe. Il ne vous dit pas « Ah ouais, Coco, c'est trop génial, je le publie tel quel », parce que c'est jamais vrai. Donc lui, le directeur de collection, bon, je vais parler du fonctionnement de chez Critique, puisque c'est ces bouquins-là que j'ai là. En l'occurrence, c'était Simon Pinel, le directeur de publication qui s'occupait de moi chez Critique. Il reçoit mon bouquin, il le lit. Et puis il me dit, j'ai quelques remarques, j'ai 2-3 trucs, machin, qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce que ceci, cela, bon, voilà. Je change, c'est du détail en règle générale, hein. C'est, voilà, tu parles de ce type-là, là, mais là t'en parles beaucoup trop loin, faudrait peut-être que t'en reparles au milieu, qu'on s'en souvienne de qui c'est quand tu le remets sur la scène, ok, ce genre de choses, voilà. Des répétitions qu'il a repérées. Mais après ça passe, il y a 2-3 bêta-lecteurs qui vont le lire et qui vont revenir avec des remarques, qui vont en faire une synthèse, dire des trucs qu'il m'a déjà dit, etc. Voilà. Et puis des trucs qu'il n'avait pas vu lui. Et puis hop, donc ça revient vers moi encore une fois, je recorrige le truc. Et puis après, ça part à ma correctrice, donc chez Critique, qui était Pascale Doré. Je travaille qu'avec elle parce qu'on se connaît bien mon style. Donc quand elle me fait une remarque, je sais exactement ce qu'elle veut dire. Et elle, quand elle voit un effet de style, elle sait exactement ce que je veux dire aussi. Donc on fonctionne très bien en binôme comme ça. Elle a 10 jours. Pendant 10 jours, elle va vraiment analyser le bouquin, le corriger. Y a-t-il des répétitions? Est-ce que j'ai pas déjà fait 2 fois cet effet de style dans le bouquin? On rigole beaucoup. Il y a une anecdote, c'est un jour dans un livre, j'avais mis que... Il y avait un personnage féminin, éminemment sympathique, qui avait des yeux verts d'émeraude liquide. Ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Elle m'a dit, une fois je l'aurais laissé passer, mais tu l'as remis, genre 14 chapitres plus tard, ça faisait vraiment très beaucoup. Donc en fait j'ai carrément éliminé. Après elle avait des yeux rouges et puis c'est fait. Donc, et après, une fois qu'elle a corrigé, je signe un bon à tirer. Donc ça me revient avec les corrections, etc. que j'ai faites dessus d'après ses remarques. Je signe le bon à tirer et là ça part en industriel, on va dire. Ça part à l'impression, la diffusion, etc. Est-ce que ça répond à la question? J'en suis désolé. D'autres questions?
Oui, je sens que vous avez une question. Vous et madame s'intéressez beaucoup. Là, vous avez une question. Vous n'avez pas besoin d'ombre. Oui. Alors, en l'occurrence, c'est trois chez eux, mais ça peut être n'importe, ça peut être un nombre variable, ça peut être 1, ça peut être 0. Quand c'est 0, je me méfie. Mais ça, parce que plus il y a de gens qui le lisent, plus on a de remarques. Voilà. Donc, c'est en général 2, 3 qui sont rémunérés, d'ailleurs, je crois, chez Critique. Parce que c'est pas n'importe qui, c'est pas « Ah ouais, j'adore le thriller », donc je vais dire, ça rend pas... Le fait d'adorer quelque chose, ça vous en rend pas apte à l'analyser. C'est comme si tous les gens qui adorent Mozart étaient capables de jouer du piano comme lui, ça se saurait. Donc voilà, il faut une analyse, il faut quelque chose. Donc c'est des gens qui sont en général dans le métier. Alors il y a le côté prof de français pour toutes les fautes, les machins, les trucs, voilà. Mais il y a aussi des gens qui sont dans le métier du livre, qui savent analyser un bouquin. Voilà. Oui. Encore vous. Alors, je suis désolé. Ah oui, c'était alors une fois j'ai envoyé des comptes jeunesse et j'en avais envoyé deux, trois semaines d'intervalle et j'ai reçu la même réponse. Deux, pardon. Deux comptes jeunesse à un éditeur, au même éditeur. D'accord. Et je reçois vos ouvrages ne manquent pas de qualité, mais c'est pas ce que nous désirons publier. Ce que je voulais en fait un peu savoir intimement, c'est est-ce que vous pensez qu'ils les ont lus? Est-ce qu'il s'agissait d'un courrier dactylographié ou enfin sorti d'un ordinateur avec votre nom manuscrit et le nom de l'ouvrage manuscrit, ou est-ce que c'était homogène? Les deux, je les ai envoyés par mail. Oui, mais eux, la réponse là. Ah oui, non, c'était deux par mail, la deux même fois, la même réponse. D'accord, par mail c'est différent. Parce que quand vous recevez un courrier, parce que parfois il y a des échanges, c'est des courriers papier. Donc vous recevez une feuille polycopiée, il n'y a que votre nom qui est manuscrit. Donc c'est la même que tout le monde reçoit. Ça veut dire que soit effectivement ils l'ont lu, ça ne correspond pas à la ligne éditoriale parce qu'ils publient de la jeunesse et que vous faites du gore. Donc ça c'est un mauvais choix au départ d'aiguillage du manuscrit. Soit c'est parce qu'ils en ont déjà 300 sous le coude. Et qui vont pas le refaire. Mais ils n'ont pas d'autre courrier que de vous dire ça ne correspond pas à la ligne éditoriale. Ils s'en foutent. Ils en reçoivent 300 par semaine. Donc ça ne veut pas du tout dire que ça manque de qualité. Ça veut simplement dire que là, il n'y avait pas de créneau. Perso, pour ce que je reçois pour Malpertuis, dans environ 80% des cas, la réponse est non, on ne publie pas de tétrabranlogie de fantasy, non, on ne publie pas l'histoire de votre chien, non, on ne publie pas la biographie de votre ancêtre, on fait du fantastique. Non, je suis désolé, dans ce cas-là, je n'ai pas le courage de forcément plonger dans le manuscrit, il est peut-être très bien, mais si la personne n'a même pas fait l'effort de vérifier que ça pouvait ou pas correspondre, et de toute façon, qu'on le lise, qu'on soit tellement transcendé par le génie de l'auteur, qu'on le publie, qu'on fait une collection spéciale pour lui et qu'il devient millionnaire, que tout le monde devient millionnaire, il n'y a qu'un seul endroit où ça arrive, c'est au cinéma. Dans la réalité, non. Dans vos rêves. Pour ma défense, ils avaient une ligne éditoriale effectivement qui n'était pas forcément pour la majorité, et à côté de ça, ils avaient publié un truc plus comique, plus fantaisiste, et c'est par rapport à cet ouvrage que je leur ai proposé tout. Ça veut aussi peut-être dire qu'ils avaient déjà ce qu'il leur fallait dans ce créneau-là. Voilà. D'autres questions? Là, vous avez levé la main, je vous ai vu. Trois, pas du tout, madame. Il peut y avoir beaucoup de raisons de refus, mais enfin bon, faut quand même penser que les gens qui lisent les bouquins, je ne vais pas faire un plaidoyer pro domo, et c'est aussi des êtres humains. Moi, j'ai oublié de le dire, mais en fait, j'ai été lecteur. Oui. Il y en a, on se demande. Entre guillemets, professionnel pendant des années et des années. J'en ai même vécu avant de passer à la traduction. Donc, parfois, on tombe sur un gros manuscrit épais comme ça. Eh ben, quand même, faut essayer de l'accrocher. Déjà, ne serait-ce que, bon, s'il y a une faute de grammaire élémentaire, comme j'envoie des voix à la première ligne, ça n'a pas forcément envie de continuer. Si la mise en page est absolument des gueule-bif, si, encore une fois, oui, ça ne correspond absolument pas à ce qu'on veut, on n'a pas forcément tout le temps envie. En effet, on a peut-être 300 manuscrits en attente, on n'a pas forcément, enfin... On peut envoyer un chef-d'œuvre du polar à une boîte qui ne fait que du document scientifique de médecine,
Jean-Rodil Jacob. Si vous le renvoie sans même le lire, ça ne veut pas dire que votre bouquin est mauvais, c'est juste que de toute façon, ce n'est même pas la peine, ils n'ont pas la collection pour le publier. En gros, si vous voulez crever la dalle en tant qu'auteur, il faut vraiment beaucoup travailler avant. Il faut relire votre truc, il faut le faire relire, il faut remettre 100 fois le manuscrit sur le truc. Et quand vous aurez vraiment bossé tout un an à recorriger votre truc, vous recevrez une belle collection de lettres comme monsieur. Voilà. Et là, c'est si vous avez de la chance. Parce que si vous n'avez pas de chance, un éditeur va vous dire oui. Donc s'il y en a qui, quand même, y arrivent relativement tôt, quoi. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas accumulé les manuscrits. Par exemple, Anaïs Krauss m'avait dit qu'elle avait écrit 9 romans qui étaient de l'exercice uniquement, avant de se mettre à un en se disant « bon, bah, ça y est, j'ai quand même accumulé de l'expérience, maintenant je vais faire un roman dans l'optique de l'envoyer à des éditeurs ». Ça donne envie, hein. Quel beau métier. Bah, c'est un choix, hein. C'est ce qu'elle a fait, ça lui a relativement réussi, quoi. Il n'y a pas de règle, en fait, sinon tout le monde ferait pareil. Chacun a son moyen, c'est comme... Et personne ne gagnerait rien si tout le monde faisait pareil. Oui, voilà, oui. C'est d'ailleurs déjà le cas. Non, on parlait pessimisme, mais il y a tellement de grands moments dans ce boulot. On ne le ferait pas, je ne suis pas maso quand même. Je fais des bouquins de 600 pages, je fais ça depuis 10 ans, tous les ans j'en sors un. Je suis quand même pas plus con qu'un autre, enfin peut-être. Mais quand même, je fais ça parce qu'il y a un tel plaisir... Le pognon, il n'est pas dans la poche, en fait. Il est dans la tête, il est dans le cœur, quoi. On vit avec ça. Moi, je me lève, je me couche, je vis avec ça. On me le reproche assez à la maison. Quoi, Lève, t'as pas pris le pain ? Ah bon ? Et je vais... Puisqu'en effet, on a été pessimiste, je vais en rajouter une couche, par contre, sur le côté optimiste. Il y a maintenant quelque chose qu'on n'avait pas, quand j'ai commencé, qu'on n'avait pas forcément il y a même 15 ou 20 ans. Pour un auteur, la chance... d'être traduit d'un autre pays. Et même des auteurs, bon d'accord, les Franck Tillier et les compagnies, ils sont traduits dans X pays, mais il y a même des auteurs pas très très importants qui se débrouillent bien, qui peuvent être traduits en Espagne. Enfin, je vois par exemple ma collègue Cristina Rodriguez, qui est parmi de ceux qui sont plutôt des moyens vendeurs, mais par contre, elle vend dans tous les pays. Elle m'a montré les traductions, elle en avait en espagnol, c'est un peu logique, puisqu'elle est originaire là-bas, mais elle en avait en russe, elle en avait dans des langues que je n'ai même pas pu identifier, ça ressemblait à du cyrillique, etc. Et à chaque fois, vous prenez en bassiné, c'est-à-dire que quand la traduction, elle est achetée par l'étranger. Et donc, vous prenez la moitié, 50%, c'est un contrat standard, on va dire, 50% de la traduction, sauf qu'un droit de traduction pour un bouquin comme ça, c'est dans les 4000 euros. Donc si c'est traduit en anglais, donc je prends 2000 si les anglais décident de l'acheter, si 2000 si les espagnols décident de l'acheter, etc. Donc si vous êtes traduit en 42 langues, c'est bon, c'est jackpot, c'est la fête du slip. Mais il y a peu de gens qui sont traduits en 42 langues, Tillies je crois que c'est 12, c'est raisonnable pour un gars qui vend 80 à 100 000 régulièrement à chaque sortie de bouquin. Et qui fait partie des gens qui vendent, mais qui font de la qualité. Je ne sais pas ce que tu dis. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas un faiseur de soupe. Plus j'en ai discuté avec lui, il est assez sincère par rapport à ce qu'il fait. Enfin, bref. Et puis c'est un bon gars. Il m'a payé une bière. Oui. Vous savez comment acheter, Laurent Wells. Voilà, payez-moi une bière. Oui, c'est en complément parce que vous disiez là pour les droits de traducteurs, auteurs, mais vous donnez une somme. Alors, sur la traduction, vous avez des droits d'auteur aussi. Vous avez des droits d'auteur aussi, mais là, je parle de la signature du contrat de traduction. Donc, suivant le montant, vous avez 50% par rapport à votre éditeur qui, lui, a vendu ça. C'est charge à votre éditeur de faire ça, de vendre les traductions. Vous pouvez faire vous-même, donc à ce moment-là, vous discutez un peu des pourcentages. Mais si votre éditeur vous vend en Angleterre ou en Espagne, comme tu disais, en admettant que l'éditeur espagnol qui veut racheter le bouquin et le faire traduire paye la traduction 4000 euros, vous, en tant qu'auteur, vous touchez 2000. Et après, si ce bouquin fait 50 000, 100 000, 80 000, je ne sais pas quoi, en Espagne, vous touchez un pourcentage qui est décidé par contrat pour l'Espagne. Les us et coutumes en Espagne sont sans doute pas les mêmes qu'en France. En France, pour ça, c'est 10%, 10, 11%. Pour un poche, c'est entre 4 et 6%, voire 8% si on est une star. Mais voilà. Après, ça, c'est l'habitude française. Aux États-Unis, c'est différent. En Angleterre, c'est différent. Donc, voilà. Mon pote, enfin, même notre pote, d'ailleurs, Jean-Marc Ligny,
son Aqua fortement recommandable, il m'a montré le bouquin, en fait, il avait été traduit en Chine. Et bon, c'est vrai qu'il ne touchait pas énormément, mais quand même, quand il a demandé à l'éditeur, c'est tiré à combien, le gars a dit, ouais, bon, on va commencer quand même assez doucement, quoi, on va en tirer 2 millions. Parce que c'est la Chine. Donc 2 millions à 4% au lieu de 10, ça me va. Et en plus, c'était un très beau bouquin. Ah ben oui, Aquatem, c'est super. Non, enfin, l'objet livre chinois qu'il m'a montré était un très bel objet. En plus. Tu veux dire, c'est un truc rectangulaire avec des pages qui se tournent, c'est ça? Les Chinois, en général, ils aiment bien que ce soit plus décoré, c'est particulier. De quoi, les Chinois? Ah oui. Oh ben, il n'y a qu'à voir leur bagnole. Hein. Oui, une question, monsieur? Je veux qu'on se casse. On va peut-être conclure. Alors allez-y, emmerdez-la, posez une question. Eh bien écoutez, merci. Ah oui! Alors, ça pourrait faire une table ronde, ça. La place d'auto-édition, elle est complètement différente. C'est pas du tout le même circuit. C'est-à-dire qu'en clair, en auto-édition, il n'y a pas de circuit. Vous n'avez pas de diffusion, vous n'avez pas de distribution. Vous vendez sur les salons ou sur quelques librairies partenaires chez qui vous arrivez à négocier. Pourquoi vous n'avez que quelques librairies partenaires? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas gérer les volumes de retour que gérerait un distributeur. Et les libraires, ils ne vont pas s'encombrer de bouquins qu'ils n'ont pas vendus, qui encombrent leurs couloirs, leurs étagères, leurs trucs, c'est de la manutention. Et voilà, si un bouquin ne s'est pas vendu en 3 semaines, c'est qu'il ne va pas se vendre, c'est fini. Il faut passer à autre chose parce qu'eux, ils n'ont pas l'espace pour stocker des trucs en vitrine qui ne se vendent pas. Donc le problème de l'auto-édition, c'est ça. Le deuxième problème, je fais très court, c'est qu'en règle générale, alors la personne en question a peut-être des bêta-lecteurs, etc., mais en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'il y a un manque profond de qualité parce qu'il n'y a pas de remise en question. La remise en question, c'est l'éditeur qui vous dit « Coco, c'est vachement bien, mais ton chapitre 4, il sert à que dalle, il faut le virer. Voilà. » Alors que ce chapitre 4, il était très joliment écrit, il était très voilà, et il était beau, mais il servait à rien. Donc c'est le boulot de l'éditeur, il ne va pas publier un truc où le lecteur va s'arrêter à la page 50 parce que le chapitre 4, il fait chier, quoi, globalement. Donc, alors que ça fait très joli, oui, alors j'ai mis tout mon cœur dedans et tout ça, machin. Je péjore pas, je dis juste que quand on a que le recul de soi-même, c'est pas suffisant. Voilà. Et puis ça vous coûte du pognon, l'auto-édition. Et il en sait quelque chose, genre Laurent Del Socorro qui n'est publié qu'en auto-édition. Non, je déconne. Voilà. Donc ça vous coûte du pognon, c'est-à-dire que les 5000 euros que Critique a mis pour publier ça à 3000 exemplaires, ou je sais pas, c'est peut-être 15 000 euros, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, il faut vous les sortir. Pour sortir votre bouquin. Donc tout ce que vous demandez comme option, vous voyez là, c'est une couverture pelliculée. Ça coûte du blé. Vous avez une couverture mate, ça coûte moins, mais c'est pas beau. D'accord ? Ça, c'est broché, collé, voilà, ça coûte du blé. Où est-ce que c'est imprimé ? Ça doit être imprimé en France, genre en Pologne. Bon, voilà. Ça, c'est issu d'une négociation, c'est-à-dire que si ça avait été fait... je sais pas où, en Suisse, en truc, non pas en Suisse, c'est un mauvais exemple, mais bon, en Espagne, au Portugal, etc. En Roumanie beaucoup, c'est une question de négociation. Pour négocier, il faut avoir des volumes. C'est-à-dire qu'eux, ils ont négocié là, ils tirent le bouquin, doit leur coûter 2 euros à produire du bout, comme ça, alors que si vous allez dire, ben il m'en faut 500, le mec il va vous dire, ça va vous coûter 8 euros du bout, quoi. Parce qu'il n'y a juste pas le volume. Hein? Ouais. Et l'illustrateur, moi je. Oui. Déjà, je lisais la BD avant de commencer le livre. Et la couverture fait partie des choses qui vont m'attirer en premier. Évidemment. Évidemment. Et la couverture, chez les pros, elle est faite par des pros. Donc, le design est fait par des pros, la couve, elle est faite par des pros. Ça se paye.
Donc une couverture, c'est vraiment tout droit un auteur de BD qui m'avait fait les couvertures de cette série. Je crois que c'est 1 200 € qu'il a comme contrat pour faire une couverture. Ce qui est plutôt la tranche haute de l'illustration. Pardon ? Ce qui est plutôt la tranche haute pour l'illustration. Oui, bah, c'était tout droit aussi. Donc, ouais, on peut avoir une bonne illustration pour 300 €, mais reste effectivement tout le reste. Et puis, on a parlé justement des traductions, on a parlé du livre de poche. Ça ramène un peu à la table ronde que j'ai animée hier. Le rôle de l'éditeur, c'est aussi ça, c'est de revendre vos droits dans un circuit auquel un auto-édité ne pourra jamais avoir accès. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'auto-édite, on limite automatiquement le devenir de son roman. Non seulement en supposant qu'on ait réussi à avoir des véritables bêta-lecteurs, des bons bêta-lecteurs qui vont avoir vraiment un retour objectif et pertinent et qui vont vous arriver à retravailler seul avec ça, avec leur aide. C'est pas garanti que vous ayez, même si vous arrivez donc à sortir un bon bouquin, je dirais justement, si vous avez réussi à sortir un bon bouquin, c'est dommage de l'auto-éditer. C'est dommage de l'auto-éditer parce que d'une certaine manière, vous allez priver votre bouquin de tous les plus qui pourraient lui arriver. Et en plus de ça, vous allez fracasser votre carrière. Parce que quand vous vous pointez chez un vrai éditeur en disant « mais moi j'ai déjà fait un bouquin qui est auto-édité », faites pas le déplacement, hein. Ça vaut pas le coup. Hein. Donc faites plutôt l'effort de vraiment travailler votre truc et l'envoyer à des vrais éditeurs. Vous allez l'envoyer à 20, 30, 40, et puis il y en a un qui va dire oui. Et voilà, c'est un bon, c'est pas un bon, c'est tout ça. Mais l'auto-édité, moi j'ai jamais pris... ça m'a pas effleuré pour toutes ces raisons-là, quoi. Et puis moi, j'avais envie que ça soit un vrai éditeur, c'est-à-dire quelqu'un qui me paye pour faire le bouquin. Donc, quand vous donnez un manuscrit chez eux, vous touchez un avaloir. Je vous dirai pas de combien, parce que si ça se trouve, vous allez amener un manuscrit, vous aurez pas le même. Donc vous touchez ce qu'on appelle un avaloir ou une avance sur vente. Il se trouve que l'avaloir, que les ventes se fassent ou pas, il est maintenant acquis à l'auteur, de toute façon. Donc, en ce qui me concerne, c'est 45 000 €. Donc, vous touchez un avaloir, ça, vous ne l'avez pas en auto-édition. En auto-édition, à partir du moment où vous commencez à écrire, ça vous coûte du pognon, jusqu'au bout. Vous allez publier 500 exemplaires, même s'il est excellent. Vous n'aurez que 500 lecteurs, potentiellement. Combien il y en a là-dedans qui vont faire un retour qui vaudra le coup? Et auprès de qui? Il ne sera pas diffusé, il ne sera pas dans les magazines, on n'en parlera pas sur France Culture. Non mais les bouquins, on a tous, autant qu'on est les copains, on a tous eu un bouquin qui est passé sur France Culture ou sur un truc. Ça sert pas des caisses, ça fait juste de... Trop bien. Mon papa, il l'a vu, il m'a dit « Oh là là, mais t'es écrivain finalement ?» Voilà, bah ouais, voilà, un bout de 8 bouquins, quoi. Voilà. Là, cette fois-ci, on va peut-être conclure parce qu'on a largement débordé. Et puis on a encore des bouquins à vendre. Merci beaucoup. Merci.